Hey, salut tout le monde, j'espère que cette fois-ci on m'entend direct. Normalement, oui. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous avais dit, enfin hier, je vous avais dit qu'aujourd'hui, on continuerait notre petit jardin. On est reparti sur le petit jardin. Alors, il faut que je vous avoue quelque chose. C'est vrai que j'ai un petit peu beaucoup joué cette nuit sur une autre partie, hein, du coup, je me suis spoil quelques trucs, mais ça va me permettre de faire une perfect partie. On va faire aussi de la déco. Parce que notre jardin est dégueulasse, soyons honnêtes. Genre, j'ai posé des fleurs et point barre. Donc, on va essayer de faire un truc à peu près stylé. Alors, je vous garantis pas le résultat. Hein, vous savez très bien, la déco de jardin, c'est pas trop mon délire. Mais je me dis que pourquoi pas le tenter. Donc, on va voir. Comme vous allez voir, j'ai joué 4 heures. Oui. Mais on va reprendre notre petite partie qu'on avait commencée ensemble pour faire notre petit jardin communautaire. Et oh, premier jour, il pleut. Génial. Bon. Ah, c'est juste, ça n'avait pas apparu. Ok. Oui. Alors, on accepte. Pour l'instant, c'est pas ça qu'on va faire. On n'a vraiment pas beaucoup de fleurs. Et coucou, monsieur Fox. Comment il va, le Fox? C'est tout, une seule graine. Ah. Ok, donc on va aller voir la nouveauté qu'il y a au magasin. Parce que maintenant on a un stand. Par contre, j'aurais bien aimé avoir les mains un peu plus vides. Il pleut dans le jeu, et que je fasse mouiller, ça va ensemble. Ouais, je sors de mon bain, donc ouais. Ah ouais, pour le coup. Bah écoute, ça va. Hein. On a quelques trucs qui pourront nous servir après. Hey, coucou mon petit Paddy! Je retourne faire le papa, ça marche! Amuse-toi bien avec tes enfants. Merci d'être passé. Donc, je pense qu'on va pouvoir mettre ça en vente. J'ai pile la place. Par contre, attendez, on va se dégager un peu de place. J'ai également compris que tout ça, on n'en avait pas besoin. Mais bon, c'est pas grave. Pour le moment, on va dire que ça va. Donc, ce qu'on va faire, on va récupérer le maximum de fleurs, le maximum de bordel. Attends. Voilà. Hop. Et. Hop, on va enlever toutes les plantes. Je vous ai dit, on va faire un gros ménage. On va tout replanter très joliment avec de la déco et tout parce que là, on est d'accord que c'était pas fou. Donc on va faire pareil ici. Parce qu'en plus nos plantes, bon, elles sont pas très bien rangées en plus de ça. Non. Donc hop. Pour jouer à Jela, il me manquerait presque un thé. Donc. Merde, j'ai oublié de la récolter. Un thé! Un thé, un chocolat chaud. Tu vois, un truc qui te met dans l'ambiance, quoi. Oui, c'est moi qui a osé dire ça. Demande à monsieur. Bah non, monsieur, il est sur Elden Ring. Tu sais, le nouveau DLC, je sais pas quoi là. Le man n'a pas le temps de me faire un thé, quoi. Et je demande ça tellement rarement que je suis même pas sûre qu'il sache où est-ce qu'il est. Hop. Alors, on fait le maximum de bouquets et on va essayer d'en revendre un maximum.
C'est tout? Eh ben, on avait vraiment pas grand-chose, c'est génial. Ok, bon, donc ça c'est bon. Du coup, let's go, la place du village. Oh, why hello, my dear. As promised, you are now the proud owner of one garden stall. J'avoue, là, j'ai plein de choses pour faire goûter. In the corner, opposite the shop and the pavilion doors. It should be very simple for you to use. People will come by, hopefully before or after coming to visit me, and give you florins for whatever you're selling. The next morning, you'll be able to collect the money from the previous day in the little money box. But what you should keep in mind is this. Some items will do better or worse in different seasons. That comes with the trade. I'm sure you can manage that just fine, dearie. Such an exciting step to take. Donc je laisse à chaque fois les dialogues en anglais. Pour les gens qui sont sur YouTube, quand vous avez la rediff, la plupart sont anglophones, donc je leur laisse le temps d'écouter, histoire qu'ils aient l'histoire eux aussi. Ok, donc hop, on va revendre. Ça va nous rapporter plus de 12 000 balles. Demain, on est riche. On a des choses à acheter. Mais avant d'acheter des super trucs de fou, parce que je vous rappelle que les arroseurs automatiques seront incroyables. Autant qu'ils discutent, je pars me faire un café. T'as bien raison. Il faut profiter. Je vais prendre la deuxième page. J'ai acheté deux de chaque. On va voir si j'ai assez. Normalement, oui. Ok, j'ai acheté deux de chaque. Je vais racheter un peu de jasmin. Est-ce qu'on en aura besoin, je crois, après. Donc, le truc. Bye bye now. Ah, maintenant. Excusez-moi, je me suis, ma souris s'est barrée. Je ne sais pas où. Tournesol. On va en prendre deux. Qu'est-ce que c'est que ça? On va en prendre deux. Et j'aurai tout pile assez pour acheter ça. Donc on prendra à partir du pivoine. Ah, bah je l'avais jamais acheté. Et bah très bien. Donc je l'avais jamais acheté. Bon, du coup, Donc. Comment on va s'organiser? Attendez, ça faut que je le récupère. Ici je vois bien le coin des petites fleurs. Genre comme ça jusque bah, jusqu'à la grenouille. Attendez, est-ce que je peux récupérer l'autre grenouille? Oui. Hop. Inversion. Donne-moi ma grenouille. On va dire de la grenouille à la grenouille, donc par ici, ce sera le coin des petites fleurs. Je pense que ça peut le faire. Ou alors je fais de là jusque là, je ne sais pas. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire comme déco, enfin qu'est-ce qu'on peut fabriquer comme déco, parce que j'ai pas envie d'en acheter. On peut faire des cailloux, super. On n'a pas grand chose. Je vais récupérer le banc. Le banc, on va le foutre ici.
Comme si on prévoit de faire comme un chemin. Et je pense que ici, ouais, on va mettre des petites pierres. Alors. Ça, c'est des grosses. Vous voyez le tas, les gros. On va les mettre par ici. Ça c'est pareil, c'est gros. Hop. Ça c'est moyen. Les moyens, on les met avec les grands. Ça c'est petit. Ça c'est moyen. Alors, les jasmins, en vrai, c'est pas très grand. Comme ça. Hop. Okay. Alors, ça. Alors, on va aller voir qu'est-ce qu'on a comme graines. Alors, ce qu'on va laisser dedans, on va laisser ça, parce que c'est du lierre. On va laisser ça, parce que c'est du lierre. Alors, les rosiers. Les rosiers. Voilà, je pense que 3 rosiers, en vrai, ce sera suffisant. Ok, donc des pivoines, on va en foutre 2, ça me paraît correct. Pivoine, on a dit ça, hop. Les roses, c'est bon. Alors, ah merde, c'est un gros truc. Il y en a un là et un là. Ah, c'est l'heure de la pub pour certains. Ok. Bon, alors c'est déjà un peu plus structuré. C'est toujours pas très beau, mais au moins c'est un peu structuré. On n'a pas mis d'hortensia. On n'a pas mis d'hortensia. Je vois bien un ici.
gros quand même un enfant. Maintenant là, je pense pas qu'il va pousser, mais bon. Pour l'instant, ça et ça, on laisse tomber. Pour l'instant. C'est très rapide. Et là, avec l'engrais que je suis en train de mettre, ça va être vraiment très rapide. Hein. Genre quelques secondes, voire minutes. Mais vraiment. Dans une journée de jeu, il peut s'en passer de beaucoup de choses. Hein. Regarde à la vitesse où ça pousse. Tu vois, tu le vois toi-même, à la vitesse où ça pousse, c'est abusé avec l'engrais. Hein. Et c'est ça qui est agréable dans le jeu, c'est que tu n'es pas toujours en train d'attendre. Comme certains jeux, tu sais, où il faut aller se coucher et attendre le lendemain. Enfin, non, là, vraiment, c'est vivant. J'aime beaucoup le principe. L'engrais est très facile à faire. Je pense que j'ai tout fait. Ah non, j'ai pas fait mais... Hop! Ça change de valeur. Ah oui, non, mais clairement, là, on n'est pas du tout. C'est pas le même jeu, quoi. Hein. Ça, je vais aller la ranger là-dedans. Non, puis tu vois, l'ambiance du jeu est vraiment cool. Tu vois, le jeu est beau. C'est vachement agréable. Voilà, bon. Ça y est. Tu vois, regarde, on a déjà nos premières roses. L'eau de la pluie, ça suffit pas. Alors si, ça suffit entièrement. Sauf que quand tu mets de l'engrais, bah déjà, ça pousse plus vite. T'as un meilleur rendement. Donc, vraiment... Ah, on va tailler nos petites fleurs. Alors la façon dont tu tailles n'a pas vraiment d'importance, c'est ce que j'ai remarqué. Mais après on aura un outil qui nous permettra de tailler en une fois la plante, ce qui est beaucoup plus rapide. Et ça du coup on l'achètera dans la journée de demain parce que... C'est vraiment long. Ah, c'est plus tard, c'est l'heure de rentrer. Allez, let's go. On rentre à la baraque. Hop, et on passe à la journée suivante. Ce qu'on va faire, je vais aller vider tous les machins que j'ai sur moi. Du coup, j'ai pas eu le temps hier. Tu vois, mon jardin est déjà full. Hein. J'entends des bestioles là. Hop. Bon. Nous, on veut que nos plantes soient un maximum heureuses. Sans petites bêtes.
Ok, on a dit celui d'avant. Oui, et tu fais quoi? Tu les revends, c'est ça. En fait, tu les transformes en bouquets. Et après, ouais, je vais les revendre. Mais il n'y a pas que ça. En fait, ça te permet aussi de remplir certaines missions. Tu vois. Genre, les missions, tu les as par courrier, là. Donc, tu vois, lui, il veut 10 tulipes et 10 hélébores. Elle veut des roses et des coquelicots, lui des tulipes. Et après, tu les mets dans cette boîte-là et hop, ça te fait des petites missions. Et après, on débloquera la partie là, la partie là-bas. Chaque chose en son temps. Et on a des missions spécifiques qui nous permettent de débloquer certains événements. J'ai oublié de vider mon inventaire. Donc, c'est en vrai, t'as pas mal de choses à faire, donc c'est plutôt cool. Regarde, il y a même un petit chat. Hop. On va voir si avec toutes les fleurs que j'ai récoltées, est-ce que je peux faire des bouquets. Ouais. Non, j'ai pu faire quelques petits bouquets. Je vais aller les mettre en vente. Et on a une autre mission aussi qui se trouve ici. Alors, je pense que la dame va nous parler. Hi. Ah, voilà. So, J'ai pas eu le temps de cliquer sur le this bouton is qu'elle the s'est mise à nous parler. pavilion. Looks rather spectacular even as it is, don't you think? Basically, Robin and I were talking about more ways to use the garden at the last summer festival. We thought it might be nice to honor the people in the village who we really care about. Before you could have known it, we were thinking about what makes those people stand out, coming up with ideas. We even decided we should get a couple, too. All of these statue frames you see came from that, Attendez, all mais except the pourquoi mon heart-shaped PC one est en at the train front. d'enregistrer en même I temps? made that for Laurie more recently. You'll find a list attached to each one of the flowers Robin planned to use to make the statues themselves. If you ever find yourself with some of those flowers to spare, you can just put them in the Dutch bucket by each statue. Marcus and I will work Arrêtez de on parler, getting them madame. set up when all the flowers are collected. Et donc là, donc on a des genres de statues. Il faut qu'on mette certaines plantes. Donc là, du jasmin, des jonquilles. Par contre, on n'a que des jonquilles jaunes. Et il nous faut des jonquilles rouges. Donc il va falloir qu'on farme les graines de fleurs pour pouvoir avoir des nouvelles variétés. Là, pareil, il nous faut des hélébores, mais nous, on n'en a que des blancs. Et là, c'est des roses. Et là, il nous faut du lys blanc, mais nous on a du lys rouge et on a des roses roses à avoir. Et nous on a que les rouges. Donc pour faire ça, eh ben, il va falloir qu'on farme à donf. Et pour ça, il nous faut des meilleurs outils. Donc, Sorry about the mess. Come on in. les trucs importants. Les trucs importants. Déjà, il nous faudra beaucoup d'engrais à graines. Et il nous faut le salc, le sac de récolte, hein, pour récolter des graines. Donc on achète ça. Ensuite, il nous faudra. Franchement, je pense qu'il nous en faut au moins 4. Il nous faudra les ciseaux. Voilà. Et 4 attelles à insectes. Ça fera moins d'insectes à enlever, donc plus de temps gagné. Ensuite, il nous faudra ça au cas où on veut déplacer une fleur. Oh, ça c'est une mauvaise arme, on s'en fout pour le moment. Hop, et on va blinder notre inventaire le maximum. Et voilà. Et on a déjà plus de sous.
Alors, regardez ces ciseaux incroyables. Paf, ça coupe toute la plante en une fois. Tellement plus rapide. Par contre, les mauvaises herbes, ça dégage. Celle-là est toute petite. Attendez voir. Hop. Tu es trop petite pour être derrière. Nettoie. Ah, nettoie là. Encore une toute petite. En fait, c'est la même, je crois. Regardez, mon ciseau s'est planté au-dessus de moi, s'il vous plaît. Non, mais. Je peux récupérer mon ciseau? Merci. Je me suis planté le bouton, du coup, ça me l'a planté au-dessus de la tronche. Bah, super. Angie, une jardinière débutante, est morte suite à un planté de couteau. De ciseaux. J'ai pas eu le temps de découper toutes mes plantes, qu'elles ont déjà repoussé à cause de l'engrais. Ah, ça va être pénible. Ok, bon. Là, on peut passer la journée à juste couper, hein, tellement ça pousse vite. Hey, bienvenue à toi. Merci pour ton follow. Bienvenue, bienvenue. Coucou par ici, mais coucou par là. Est-ce que je coupe mes plantes maintenant ou j'essaye de mettre des graines de fou histoire d'avoir des améliorations de graines? En vrai. En vrai, je pense que c'est ça qu'on va faire. On va déjà mettre. Je vois que tu te dis bien, on a bien joli jardin. Il y a des fleurs partout. Ouais, et puis là on va commencer à farmer toutes les graines pour avoir encore plus de jolies fleurs. Donc, écoute, on est en. Par contre, je vois pas ici. Ici, il faudrait que ça soit là. Ok. Ok, et donc là. Quelque chose comme à peu près ça. J'espère que ça prend tout en compte. Celles-là sont pas prises, hein. Quoique. Si, je pense qu'elles sont prises. Elles sont pas prises en compte. Ah, elles sont pas prises, celles-là, en compte. On va les bouger. Est-ce que là c'est mieux? Ouais, ça a l'air d'être mieux. Et ici, on va essayer d'en arroser un maximum et on bougera celles qui sont pas arrosées. Ok, tout ça c'est arrosé. Ici, c'est pas arrosé. Ok, bon. Tu vois, je m'en doutais qu'il allait être pas arrosé. Mais purée, je me plante de boutons, c'est un enfer.
Vas-y, voilà. Bah, ça va bien et toi? Même celle-là, elle n'est pas prise en compte. Est-ce que si je la mets là, c'est bon? Ouais. Et celui-là. Ah bah tant mieux si tu vas bien. Alors. Alors, on va essayer de récolter un max de fleurs, se faire un max de bouquets pour avoir un max d'argent pour pouvoir améliorer notre jardin direct. On peut acheter de la déco. Je pense prochain jour on achète la déco. Alors, comme vous savez, je suis nulle en décoration de jardin. C'est pas grave, vous êtes là, vous allez m'aider. Ok, allons ranger nos fleurs. J'en ai énormément des hortensias blancs. Ah oui. Alors, attendez. Chaque chose en son temps. On va faire ça. Voilà. Et ici. Ça qu'on a besoin. Ça, j'en ai plus besoin. Ça non plus. Non, ça, j'en ai plus besoin non plus. Hop. Hop. Ici, il faut qu'on fasse absolument nos rosiers. Parce qu'il nous faut des roses roses. Surtout, on va essayer d'avoir un maximum. Et là, on va faire full à Lazare parce que. Voilà. Alors, on va s'asseoir un petit peu. Hop, on va se lever. C'est tout. Gerbera jaune. Bon, c'est pas ce qu'on voulait, mais bon. Gerbera rouge. Ok. Ok. Donc. Gerbera rouge. Un autre gerbera, je crois. Hein. On va planter les nouvelles fleurs. Voilà. Et on va dormir. J'étais accroupie, c'est pour ça que je me dis c'est bizarre, on marche tout doucement. J'étais accroupie. Alors. Pas de nouvelles, oh dommage. Voilà. Des jonquilles rouges. Eh mais c'est celle qu'il nous faut en plus. Et des jonquilles jaune pâle. Ok, donc. Alors, où sont mes jonquilles? C'est celle-là. Hein. Donc, ce qu'on va faire. On va aller ranger toutes les graines qu'on a et on va ressortir les jonquilles.
Hop, le tri. Jasmin, on va la prendre. Jonquille jaune, non. La jaune, pas lui. La rouge, oui. On a dit ici. Alors ensuite, elle est pas arrosée celle-là. Pourquoi elle est pas arrosée? Il est à côté du truc, je comprends pas. Tu es pas arrosé, tu peux pas être plus près du truc, hein. À un moment donné, faut faire un effort. Il nous manque un arrosoir là. Ne pas être arrosé, je comprends pas. Il faut peut-être que je leur redonne vie comme ça avant. Peut-être, je ne sais pas. J'avais pas ce problème hier, donc je ne sais pas. Bon, on verra. En fait, on est en découverte de jeu. Hein. Non plus, il n'y a pas d'eau, hein. Je pense qu'on va se prendre la tête à mettre plus de machin d'arroseur automatique. Non mais qu'est-ce que je fais? Vous ne dites rien. Ne dites pas, mais t'es plein, il faut que tu partes vite avant. Bon, let's go. Alors. Non mais sérieux, regardez le nombre que j'ai. Pour l'instant, je me préoccupe pas du comment ça s'appelle, des défis avec les statues. On verra ça après. D'abord qu'on fasse un maximum de thunes, comme ça on sera tranquille. J'en ai encore là qui sont... Donc, ce qu'on va faire. J'ai un peu oublié. On va aller foutre des machins. Qu'on en rachète évidemment, mais bon, moi elles sont posées. Alors ensuite, on a dit que ça on n'en avait pas besoin, ça non plus.
Ça, je le garde pour toi. Ça dégage. J'ai quelques places. Je vais pouvoir prendre les fleurs récentes. Et let's go au village. Pas beaucoup de sous. Ça va nous rapporter 15 000 balles. Il faudrait vraiment qu'on passe la journée. Mais avant de passer la journée. Don't mind the clutter, come on in. On va acheter un maximum de ça. Voilà. So long. Ah, attends. Oh, come on in, don't be shy. Alors. Ah, ça pourrait être marrant de faire un truc en version grecque pour la déco. Pourquoi pas? C'est gratuit ça? C'est que des ballons. Les pots. Lanterne. Écoutez, prenons des lanternes. Hein. Putain, il y a trois couleurs différentes. Ah, vous savez quoi? Je vais en acheter. Je vais en acheter 10 de chaque. Voilà, c'est gratuit donc. Cage à oiseaux. Je sais pas si ça a un intérêt, mais prenons. Table pour le thé. Deux chaises. Plus le service à thé. Plus la tente de jardin. Je ne sais pas pourquoi, mais achetons une so long. See you next time, dearie. Je savais pas qu'il y avait de la déco gratos. Bah, c'est cool. Du coup, ça a un petit délire. Hop. Ok, et l'autre, on a dit pour nos rosiers. Voilà. Bon. Est-ce que j'en ai d'autres? J'en ai deux autres. On va le garder. Quoi ça sert? T'as des légumes aussi à faire pousser ou que des fleurs? Bah pour l'instant j'ai que des fleurs. Oh, c'est. Je m'attendais à ce que ça soit un petit peu. C'est fait bizarre. Hein.
On est d'accord que c'est très très moche. Est-ce qu'on est d'accord que c'est moche? Alors oui, c'est gratuit, hein, mais j'aime pas du tout, quoi, en fait. C'est affreux. Voyons voir cette histoire de temps. Ça. Ça va être les couleurs qui vont être horribles. Hein. Horrible. Ensuite. Me dis pas que c'est tout petit. Vert, ouais, ça ira avec la couleur de notre jardin. Ah, celui-là était que de 1. D'accord. Bon. Et ça, du coup? J'ai vu, par exemple, qu'il y avait un oiseau, là. S'imaginons, je mets ça là. Il va pas dessus. Ok, bon, bah on a vu ce que ça donnait. Alors ça pourrait me convenir. Je sais où, comment la mettre, mais on n'a pas encore la place. Oui, nouvelle fleur. Deux nouvelles fleurs. Alors, Amaryllis. Et une hosta. Ah, attendez. Hop. Donc, Amaryllis. Okay, on a eu deux amaryllis. Ensuite, on a eu hosta et on en a eu un autre, mais je sais plus quoi. Merde. Mince. En avait pas. Ok, bon. Ah non, ça c'est un gros truc. J'ai vraiment pas assez de place par contre. C'est pas doux pour celui-là.
j'ai rempli, remplir. J'ai arrosé les petites fleurs qui n'avaient pas d'eau. Voilà. J'ai une autre par là. Hop. Il y en a ici qui sont déglingués ou c'est bon? Ok, c'était la seule qui était déglinguée. Ok, bon. Hop. Coquelicot jaune. Okay. Parfait. Hop. Demain, on peut. Là, on va planter les coquelicots jaunes. D'ailleurs, est-ce que je les ai sur moi? Donc, ah, hop, tu vas les séparer. C'est juste noir. Ok. Donc, ce qu'on va faire, je vois qu'il y en a d'autres là-bas. Hop! Paralyse pêche. Les jonquilles blanches. Les jonquilles oranges. Blanche et orange. Non, je viens de la... Je viens de la dégager, je voulais pas la dégager. Qui orange. On va les avoir les gens qui orange. Ok, donc on va faire planter ces nouvelles petites plantes. J'ai qu'une place ici. Là, donc une champignon. Un iris. C'est assez grand quand même. Voilà. Marée pêche. Et il me reste quoi? Jonquille orange. Hein? Ah ouais, il y en avait deux. Hop, on va attendre le milieu de journée. Voilà. C'est jaune. Alors, le fait de ne pas récolter mes fleurs, ça me fait perdre de l'argent, mais ça me fait récolter des graines plus facilement. Du coup. J'ai rien là-dedans à récupérer. Hein. Alors, hop. On va repartir au village.
n'achète quoi? Oh, don't mind Letha. She's in no mood today. Là, on a dit qu'il fallait qu'on achète absolument les nouveaux arroseurs. Les nouvelles petites boîtes. Et... Oh, je suis obligée d'acheter des trucs à l'heure. Pourquoi je peux les acheter que par un? C'est trop chiant cela. J'ai acheté le maximum. Pas mal, hein? Il nous faudrait vraiment une allure. Like ça m'a fait peur. Really when you start to have so many plants in the garden that you're always zipping back and forth to the tap all day, it means you fall behind on other things. This way, it takes far less time. Some people use sprinklers too, but that wasn't really my style. Moi, c'est mon style. Est-ce qu'on n'aime pas l'arrosage automatique? Non, mais franchement. Tellement mieux. Il m'en manquera un pour cette plante là. Mais bon. Ça, on n'aura plus ces problèmes de fleurs. Hop. Vous savez pourquoi j'ai acheté ça? Comme ça, on va pouvoir mettre nos petits lierres qu'on a laissés de côté. Ils sont, c'est une bonne question. Donc, je pense qu'on peut faire. Une ici. Une là. À l'intérieur, mettre du vert foncé. Hop. Ok. Je pense que 8 ça servira à rien. 4 ça me paraît. Ce qu'on va faire.
On va commencer. Attends, je l'ai bien acheté, c'est bon. Mettre en place un tuyau d'arrosage, ok. Faire reconstruire le pont, déblayer les décombres, ouvrir la serre. Tu m'as fait flipper le coup. Ok. Alors, je vais avoir un problème avec ces deux plantes-là qui ne font quasiment pas de fleurs. Donc, pas de fleurs égale pas de. Est-ce que j'ai le temps de retourner au village pour acheter deux arroseurs, puisqu'il m'en manque deux. J'ai 2000 balles, donc normalement, j'ai pile assez pour me les acheter. See you next time, dearie. Les journées sont pas assez longues. J'arrive pas à faire tout ce que je veux faire. Hop, on a dit qu'il m'en manquait un par ici. Voilà. Et il m'en manque aussi un, on a dit, par là. Regardez, les fleurs tout de suite, elles sont heureuses. Et let's go, on rentre à la maison. Oh, il n'y a qu'un vieux monsieur dans le bus. Ouais, des nouveaux hortensias. Et des nouveaux hostas. Alors, on a dit... Des nouveaux hortensias, des nouveaux hostas. Voilà. Okay. Hop, des mauvaises herbes. Ça dégage. Faut que je joue là-dedans, c'est dommage. Il y en a une en violet. Un coquelicot orange. J'ai plus de place sur moi. Hématite et pensée. Je sais pas laquelle des deux que c'est. Ah, je me plante de boutons à chaque fois, c'est tout nouveau. Ok, bon.
50. Des tulipes blanches. Du jasmin blanc. Ok. Tulipes et jasmin. Alors. Jasmin, à quoi ressemble du jasmin? Jasmin. Ah bah, jasmin, il est parti. Hop, on veut un maximum de gangampa. Ok. Oh, il n'y a pas de nouvelles. Ok. Bah, dommage pour nous. Ça donne envie de jardiner. De fou. Si seulement je savais faire ça en vrai. J'ai pas du tout la main verte. Moi, avec moi, les fleurs, elles meurent direct. J'arrive même à tuer des cactus. Tournesol blanc. Alors, il paumé et tourne seulement. Coquelicot sauvage, ça va être dur à revenir. Alors. Alors, hop, orange. Donc, un coquelicot. Coquelicot sauvage. Je crois que c'était ça le nom. Sauvage, voilà un hippomé blanc et il y avait autre chose. Est-ce qu'on se souvient de ce que c'était? Tournesol blanc. Alors. J'ai plus de place à force. Par contre, ça marche pas très bien les boîtes où j'en ai pas mis assez. C'est juste à côté. On va les éradiquer. Tac. C'est possible que là il n'y ait pas d'eau. Il y a des trucs, je comprends pas trop la dinguerie. Hein.
Donc le produit fait plus effet. Ok, on part à la récolte. Et là, on va partir en full récolte tous les jours de plantes. Pour avoir un maximum de plantes. Pour pouvoir faire toutes nos petites missions. On a déjà 5 missions et il faudra peut-être qu'on décide à les faire. C'est plutôt pas mal. C'est pas à faire. On va aller ranger déjà toutes les graines qu'on a semées. Qu'on en a quand même plutôt pas mal. On va les ranger. Hop. Ensuite, on va aller prendre. Alors par contre, cette fleur-là, elle va jamais pousser. Hein. Ça, faut que je le dégage.
fait, je me suis aperçu que suffisait d'en avoir qu'un, mais j'avais pas compris comment on le remplissait. Ah, il m'en reste quelques-uns, mais pas beaucoup. Je vais en profiter qu'on n'a pas grand-chose là. Et... alors ça va nous rapporter 0 balles parce que ça coûte rien dans le magasin. On va se débarrasser des choses superflues. Okay. Ça c'est une dinguerie hein, de se tromper de bouton comme ça. On a que deux à débarrasser, bon, il y a deux pour faire ça tout de suite. Si j'en ai besoin. Alors, on a dit qu'il y avait deux fleurs qui n'allaient jamais pousser. Donc ces deux-là sont mortes. Ok, my bad. Celle-là est morte, celle-là est morte. Là pareil, donc on va aller chercher notre petite pelle. J'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Ça non plus, ça non plus. Hop, on va re-ranger les choses. Alors, est-ce que je vais avoir le temps de faire ça? Are you still here, dear? It's time for me to close up shop for the day. Ouais, 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 ouais. Thank you.
on va voir avec ce qu'on a là, est-ce qu'on a assez pour commencer à remplir certains trucs. Le bordel là-dedans, hein, ma femme. Coucou monsieur Bulo, comment il va? Il fait quoi cet après-midi monsieur Bulo? Tu veux faire du ballot? Franchement, je pense qu'on a pris assez de fleurs là, non? T'as le temps de les couper qu'elles sont déjà en train de repousser, c'est une dinguerie cet endroit. Bon. En fait, j'ai mes rosiers qui veulent pas pousser. En fait, il y a des trucs qui veulent pas pousser dans le jardin. C'est trop bizarre. Ok, bon, on va essayer de voir avec ce qu'on a. Tu vas passer toute la journée à faire ça. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit qu'il fallait? Ah bah attendez. Déjà, on va commencer par nos vraies missions. Pas ça. Donc. Lys blanc. On n'en a pas. On n'a pas de lys blanc. Rose rose. On n'en a toujours pas, ça je sais. Ensuite, jasmin. Je dois pas être loin. Jasmin, on en a que 13. Bon, ben, on va les prendre quand même. Hein. Ensuite, il nous faut des gens qui. Jonquilles rouges. Coquelicot rouge. Ok. J'aurais même pu faire différemment. Oh, ça veut pas. Arrête Valo, fais pousser des fleurs, fais pas la guerre, mais du jardinage. Ouais, mais bon, on va pas faire ça toute la journée, hein. C'est. Et des élébores roses. Je sais même pas si on a ça.
A, B, C, D, E, F, G, H. Donc avant déjà, on n'en a pas du tout. J'ai même pas des blancs. What the fuck? Tu veux dire que sur tout ce que j'ai planté, j'ai pas récupéré de blanc? Hop, range-moi ça. Trop bizarre, j'ai pas récupéré une seule fleur blanche. Et l'autre, c'était quoi? J'avais dit des lys blancs. On a des lys rouges, mais pas des lys blancs. Bientôt, il n'y a plus de place, hein, mais c'est pas grave. On va aller ici. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut mettre là-haut. Super, voilà, on en est là. C'est pas fou. Pas énorme, mais bon. Pour l'instant, on n'a pas besoin de sous. Donc. Alors. Rose et tournesol. Ensuite, bon, tulipe et les bords blancs. Ben, les bords blancs, on n'en a pas. Hein. Même des roses, ok. Les coquelicots, ok. Les tulipes, les cyclamens. Ah, du coup, il me reste que ça, il me manque que les boutures. Je vais faire un chemin, mais j'ai toujours pas assez de place. Trop de fleurs, pas de place. Mmh.
j'ai bien aimé. C'est récupérer des graines. On va faire ça. Voilà, une double ration de tout. Amène rose pâle. Et nous, on va s'arrêter là. Ça fait 1h30. On a déjà pas mal avancé. En vrai, on a pas mal avancé. La prochaine fois, on essaiera d'arriver à finir toutes les statues et à débloquer les autres lieux pour refaire notre jardin un peu plus beau. Tac. Sur ce, moi, je vous fais des bisous. Merci d'avoir été là. À bientôt. Ciao, ciao!